Monstre obèse. C'est à hurler, ce n'est pas fini. Un bonhomme de neige, regardez comme ils font. Et il penche déjà sur le côté, il va tomber. Un crapaud dans un sac. Fumisterie d'atelier. Quelque chose d'impur qui tient du porc et du phoque. 1898, Rodin fait scandale avec son Balzac. À 58 ans, le sculpteur choque, bouscule et se heurte à une société qui ne comprend pas la modernité de son propre temps. Je sais bien qu'il faut lutter, car on est souvent en contradiction avec l'esprit de son époque. Si la vérité doit mourir, mon Balzac sera mis en pièces par les générations à venir. Si la vérité est impérissable, je vous prédis que ma statue fera du chemin. Aux portes du XXe siècle, dans ce bouillonnement où artistes, penseurs et scientifiques veulent tout simplement oser, Rodin, sculpteur de génie, va marquer son siècle et inspirer le suivant. Des bouleversements sans précédent vont agiter la deuxième moitié du 19e siècle, qui voit l'émergence d'une nouvelle société liée à la naissance de l'industrie. Cet avènement provoque une soif inextinguible de modernité, de découverte et de vitesse. L'art n'échappe pas à cette révolution. En quelques années, de nouvelles expressions artistiques vont se substituer aux émotions d'un romantisme dépassé. En littérature, Flaubert invente le naturalisme que Courbet explore en peinture. En poésie, Baudelaire abandonne la posture du moi douloureux avec ses fleurs du mal. En musique, Wagner annonce la polyphonie orchestrale avec l'ouverture de Parsifal. Les salons d'exposition artistique connaissent leur apogée. Jugé trop sévère et sans audace, le salon officiel se voit opposer dès 1863 le fameux Salon des Refusés, où la présentation de son Déjeuner sur l'herbe rendra Manet célèbre. Contrairement aux autres arts, la sculpture peine à se renouveler. Né en 1840, Rodin grandit dans un monde en mouvement et en même temps se nourrit de ses turbulences. Lorsqu'il se présente au concours des Beaux-Arts en 1857, son style déplaît, il est recalé. Loin de le décourager, ses trois tentatives et échecs successifs vont le pousser à évoluer en marge des circuits académiques. C'est en artiste libre qu'il va commencer à modeler ses premières sculptures. Un jour, j'avais 13 ans, j'ai ouvert un gros livre sur une table de la bibliothèque du Panthéon. C'était des gravures d'après l'œuvre de Michel-Ange. Ce fut une révélation pour moi, et je n'ai pas tardé à être dévoré du désir de modeler des sculptures comme celles que je voyais. J'avais trouvé ma vocation. Fils aîné d'une famille modeste, Rodin vit dans le quartier Mouffetard à Paris qu'il a vu naître. C'est dans la rue qu'il repère ses premiers modèles. Frappé par l'expression du visage d'un palefrenier du marché aux chevaux, connu sous le nom de Bibi, il exécute son buste. L'homme au nez cassé montre ce visage meurtri par la vie.
L'hiver cette année-là fut particulièrement rude et je ne pouvais faire de feu la nuit. L'homme au nez cassé gela. Le derrière de sa tête se fendit et tomba. Je ne pus conserver que le masque et l'envoyer au salon. Le salon juge l'œuvre non seulement pas finie mais laide. L'homme au nez cassé est refusé. Le vulgaire s'imagine volontiers que ce qu'il juge laid dans la réalité n'est pas matière artistique. C'est une profonde erreur de sa part. Ce qu'on nomme communément laideur dans la nature peut dans l'art devenir d'une grande beauté. Ce masque a déterminé tout mon travail à venir. C'est la première bonne sculpture que j'ai faite. Rodin a 25 ans. Il ne parvient pas à vivre de son art. Commencent alors pour lui les dures années d'errance dans les ateliers. À cette époque, le travail ne manque pas pour les apprentis sculpteurs. La capitale subit une mue brutale sous l'instigation de l'empereur Napoléon III et de l'architecte le baron Haussmann. De grandes voies de circulation sont tracées. De nouveaux immeubles sortent de terre. Les gares de Lyon et du Nord sont créées et l'opéra Garnier voit le jour. 1870, la guerre éclate. Napoléon III mène une bataille mal préparée contre la Prusse. Rodin ne fuit pas la guerre, il est réformé pour cause de myopie. Paris se soulève, l'Empire s'effondre. La Troisième République est proclamée, mais la guerre se poursuit. Des insurgés refusent la défaite, ayant entraîné la capitulation de leur ville. La Commune de Paris s'achève dans le sang, tandis que Rodin, sans ressources, a suivi à Bruxelles le sculpteur Carrier-Belleuse, qu'il a pris comme praticien. J'ai beaucoup travaillé chez les autres. Ceux qui ont été pauvres comme moi, n'ayant ni secours d'État, ni pension, ont travaillé chez tout le monde. La nécessité de vivre m'a fait apprendre toutes les parties de mon métier. J'ai fait la mise au point, dégrossi des marbres, des pierres, des ornements, des bijoux d'orfèvre. Mais cela m'a servi. Maçon statuaire le jour pour gagner sa vie, il modèle dans l'ombre sa première figure importante, l'âge d'airain. Déjà, il affirme son culte du nu. 1877. 12 années ont passé depuis le rejet de l'homme au nez cassé et Rodin place beaucoup d'espoir dans sa nouvelle création. Après l'homme de la rue Bibi, il a choisi un jeune soldat belge pour modèle. L'âge des reins provoque un mini-scandale au Salon de Paris. Et que reproche-t-on exactement à Rodin ? De montrer cet homme nu d'un naturalisme inédit, à la plastique parfaite. D'être trop réaliste pour être honnête. Rodin est accusé d'imposture. On dit que j'ai moulé un cadavre et l'ai remis sur ses pieds. Quelle douleur de voir que ma figure qui peut aider mon avenir qui tarde, car j'ai 36 ans, quelle douleur de l'avoir repoussée par un flétrissant soupçon. Rodin souffre non seulement de l'incompréhension de son art, mais aussi du manque de reconnaissance. À bientôt 40 ans, il n'a toujours pas percé, alors que Claude Monet, né seulement 2 jours après lui, est déjà un peintre connu. Le motif est quelque chose de secondaire. Ce que je veux reproduire, c'est ce qu'il y a entre le motif et moi. Je veux peindre l'air dans lequel se trouve la maison, le pont, le bateau, la beauté de l'air où ils sont. Et ce n'est rien d'autre que l'impossible. Ce que je ferai ici aura au moins le mérite de ne ressembler à personne, parce que ce sera l'impression de ce que j'aurais ressenti. Monet lance le mouvement impressionniste aux côtés de Manet, Cézanne, Renoir, Degas, Van Gogh. La sculpture est en retard et Rodin va se charger de le lui rappeler. Mais pour l'instant, il peine à faire reconnaître l'âge des reins.
Le moulage ne reproduit que l'extérieur. Moi, je vois toute la vérité et non pas seulement celle de la surface. J'accentue les lignes qui expriment le mieux l'état d'esprit que j'interprète. C'est un procédé récent, la photographie, qui vient en aide à Rodin. Après 3 ans de lutte, le cliché du jeune soldat qu'il avait pris pour modèle révèle enfin l'authenticité de sa sculpture. La comparaison des deux poses supprime tout soupçon de modelage à même le corps. L'âge des reins est réhabilité et le scandale a répandu le nom de Rodin. L'œuvre est belle et lui ouvre la porte aux acquisitions de l'État. À 40 ans, le voici enfin reconnu comme sculpteur. Et c'est l'État qui vient lui passer la commande de sa vie, celle qui fera de lui le sculpteur incontournable, l'artiste qui ouvre la première porte du dédale qui mène à la modernité. La porte de l'enfer. J'ai vécu toute une année avec Dante, vivant seulement avec lui et dessinant les 8 cercles de son enfer. À la fin de cette année, je me rendis compte que mes dessins étaient trop éloignés de la réalité. Je recommençais tout et travaillais d'après nature avec mes modèles. Rodin fit porter à des milliers et des milliers de figures qui étaient à peine plus grandes que ses mains la vie de toutes les passions, la floraison de tous les plaisirs et le poids de tous les vices. Il créa des corps qui se touchaient en tout point et tenaient ensemble comme des bêtes s'entremordant, des corps qui écoutaient comme des visages, des chaînes de corps et de lourdes grappes de formes humaines dans lesquelles montait la sève sucrée du péché, hors des racines de la douleur. C'est là que Rodin va puiser les passions qui irriguent son œuvre. C'est là que se cristallise sa liberté de pensée et de création. C'est de là que jailliront ses plus belles pièces. Ceux qui ont pu admirer dans l'atelier de l'artiste les études achevées et celles en cours d'exécution s'accordent à dire que cette porte sera l'œuvre capitale de ce siècle. Il faut remonter à Michel-Ange pour avoir l'idée d'un art aussi noble, aussi beau, aussi sublime. Octave Mirbeau, l'auteur du Journal d'une femme de chambre, est également un critique d'art redouté. Il pourfend l'art académique, tourne en ridicule le système des salons. Ces grandes foires aux médiocrités grouillantes et décorées. Anticonformiste notoire, il défend toutes les avant-gardes. Il se fait le chantre de Rodin et Monet, qu'il présente amicalement l'un à l'autre, mais aussi du musicien Debussy, créateur original et profond d'une musique où souffle le vent de la liberté. Auguste Rodin est à peu près inconnu. Il a horreur des coteries et vit peu dans le monde. Comme il ne va pas à la réclame ne vient pas à lui. Il vit, presque obscur, ainsi que les forts et les solitaires, au milieu des imaginations et des rêves de son génie. Il se contente de faire des chefs-d'œuvre que ses amis admirent et que la postérité, qui ne se trompe jamais, a déjà marqué de son estampille éternelle. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Malgré cet avertissement de Dante dans la Divine Comédie, la porte de l'enfer va donner à Rodin accès au monde dont il a toujours rêvé. Et plus encore. Une jeune femme entre dans sa vie. Une jeune femme qui lui donnera accès à d'autres envies, à d'autres désirs plus enfouis, plus secrets de sa personnalité. 1883. Camille Claudel se présente à lui avec la fraîcheur de ses 19 ans. Pour mémoire, il en a 43.
le séduit-elle tout de suite? Mais il y a Rose, sa compagne, sa fidèle Alsacienne rencontrée dès 1864. Elle ne sait ou ne peut s'adapter à cette nouvelle renommée. Mais elle est présente, et combien présente dans son cœur. Enfant du peuple comme lui, elle est son ancrage social, la mémoire de ses origines. Ma chère Rose, j'ai rêvé de toi cette nuit. Et si j'avais écrit sous le coup de mon émotion, je t'aurais dit des choses pleines d'affection. Je pense combien tu as dû m'aimer pour t'attacher constamment, à plaire à mes caprices. Rose lui donne un enfant qu'il souhaite nommer Auguste. Il ne le reconnaîtra pas, et ce fils restera toute sa vie Auguste Beuret, et jamais Auguste Rodin Beuret. Arrive Camille et sa jeunesse, Camille et ses idées. Elle a déjà sculpté, entre autres, le buste de son frère, Paul. Elle dessine et sait très bien pétrir, malaxer, gâcher, observer, écouter, et surtout, elle sait pratiquer la taille directe, technique que Rodin ne maîtrise pas. Mademoiselle Claudel est devenue mon praticien le plus extraordinaire. Je la consulte en toutes choses. Jeune fille à la gerbe de Camille. Galatée d'Auguste. L'éternelle idole d'Auguste. Vertum et Pomone de Camille. Camille vue par Auguste. Auguste vue par Camille. Quand on se permet d'accuser Camille de le copier, il réagit, il gronde. Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est bien à elle. Mais ne l'a-t-on jamais accusé d'être influencé par elle? Je n'ai pas beaucoup de choses nouvelles cette année car je travaille toujours chez Monsieur Rodin, qui est très pressé avec ses monuments et qui n'a presque pas d'ouvriers pour l'aider. Le baiser est leur enfant à tous les deux. Ce génie du mouvement et des corps érotisés qu'ils partagent, cette passion physique qui les dévore. Camille l'appelle Monsieur et il l'appelle Mademoiselle en public. Ma féroce amie, Camille, ma bien-aimée, je sens ta terrible puissance. Je n'en puis plus. Je ne puis plus passer un jour sans te voir, sinon l'atroce folie. C'est fini, je ne travaille plus, divinité malfaisante. Et pourtant, je t'aime avec fureur. Je t'embrasse les mains, mon ami, toi qui me donnes des jouissances si élevées, si ardentes. Je couche toute nue pour me faire croire que vous êtes là. Mais quand je me réveille, ce n'est plus la même chose. Je vous embrasse. Il a fallu que je te connaisse et ma terne existence a flambé dans un feu de joie. Ah, divine beauté, fleur qui parle et qui aime, fleur intelligente, ma chérie, ma très bonne, à deux genoux, devant ton beau corps que j'étreins. Surtout, ne me trompez plus. Les années passées aux côtés de Camille sont sans aucun doute les plus flamboyantes de Rodin. En 1883, dans le but d'asseoir sa notoriété, il entreprend la réalisation du buste de Victor Hugo. Je voyais Victor Hugo quelquefois traverser le salon, l'air dur et froid. Il allait aussi s'asseoir dans le fond de la pièce, absorbé, réfléchissant. Je le suivais de l'œil, faisant de lui des croquis rapides, dessinant autant de profils que je le pouvais sur des petits carrés de papier. Il ne me regardait même pas, mais avait la bonté de ne pas m'écarter. Il me tolérait. Le dessin de tous côtés, en sculpture, c'est l'incantation qui permet de faire descendre l'âme dans la pierre. Je m'en suis tiré comme j'ai pu. Une nouvelle commande officielle vient rapidement confirmer la valeur de son talent. Le maire de Calais souhaite honorer la mémoire des héros de sa ville.
six grands bourgeois qui donnèrent leur vie en 1347 pour que l'armée du roi d'Angleterre épargne les habitants de Calais. J'ai l'habitude de faire d'abord sans vêtements, mes enfants de pierre. Je n'ai plus ensuite qu'à jeter une draperie là-dessus et tout vibre aux adhérences. C'est de la chair et du sang, non pas de l'effigie froide. Ce n'est pas ainsi que nous représentons nos glorieux concitoyens. Leur attitude affaissée heurte notre religion. Je voulais faire sceller mes statues les unes derrière les autres devant l'hôtel de ville de Calais, à même les dalles de la place, comme un vivant chapelet de souffrance et de sacrifice. Mais l'on m'imposa un piédestal aussi disgracieux que superflu. L'on eut tort, j'en suis sûr. Cher monsieur Rodin, je suis à Londres et je ne puis m'empêcher de vous écrire pour vous dire combien je suis heureux d'avoir vu à Calais vos bourgeois. C'est la plus belle œuvre moderne. Quelle émotion! J'ai fait le tour du groupe et toutes les figures sont admirables. J'ai passé devant votre œuvre un bon moment, trop court moment. Le bateau attendait, mais qu'importe, j'emporte le souvenir. Chaque figure est dans ma tête aussi bien que si je l'avais faite moi-même. Recevez le souvenir de votre admirateur. Le monde qui a vu naître Rodin n'en finit pas de se transformer. Des quartiers se construisent, des banques se créent, des nouveaux apparats s'y rattachent. Apparaît une nouvelle société, dite bourgeoise, à laquelle s'oppose simultanément un mouvement populaire qui subit de plein fouet les effets de la crise économique. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère? Jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande. Je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où nous vivons. 1885, à la mort de Victor Hugo, chantre de ce nouveau socialisme, le monument à sa mémoire revient à Rodin. Les turbulences sociales actent les débuts du socialisme et du syndicalisme ouvrier. À Londres, un économiste sociologue d'origine allemande, Karl Marx, en propose une lecture qu'il nomme le Capital. La lutte des classes est en marche. À bientôt 50 ans, Rodin, qui a connu la pauvreté, va profiter pleinement de l'apparition d'une nouvelle catégorie d'amateurs d'art, les collectionneurs. Un marché se met en place, l'art circule. 75 000 ici. J'adjuge à 75 000. C'est vu ? Une communauté d'artistes se forme. Rodin entre dans la ronde. Il se lie d'amitié avec les peintres Monet, Cézanne, Carrière, Fantin-Latour, Renoir, les écrivains Mallarmé, Zola, Maupassant et tant d'autres. Ils correspondent, s'influencent, s'entraident, s'échangent ou s'achètent des œuvres. Rodin choisit La femme et l'enfant de Carrière, La femme nue de Renoir, Le père Tanguy de Van Gogh, ou encore Belle-Île de Monet, avec qui il fait exposition commune. Rodin n'a plus rien de l'homme timide de ses débuts. Les riches et les puissants s'intéressent à lui. Son talent parle au monde et sa personnalité singulière séduit. Il tient enfin son monde. Cher ami, je suis bien fâchée d'apprendre que vous êtes encore mal. Je suis sûre que vous avez encore fait des excès de nourriture de vos maudits dîners, avec le maudit monde que je déteste, qui vous prend votre temps, votre santé, et ne vous rend rien. Camille a une famille, et celle-ci ne voit pas d'un bon œil ce dont tout Paris parle. Sa mère ne voit que les dommages que peut créer cette relation scandaleuse sur la carrière de son fils préféré, Paul. Pour la rassurer, Rodin fait jouer ses relations. Mon cher ministre, voulez-vous me permettre de vous demander votre appui pour un jeune homme de bonne famille républicaine? Il est très intelligent. Cette lettre contribue largement à la carrière diplomatique de Paul Claudel,
qui offrira tout loisir au jeune homme pour se consacrer à l'écriture. Plus Rodin se montre maître de sa carrière, et plus son histoire d'amour avec Camille lui échappe. La séparation est inéluctable. Camille la met en scène dans L'âge mûr. Malgré le désir répété de la jeune femme de s'unir au sculpteur pour toujours, celui-ci refuse de l'épouser et choisit de rester auprès de sa vieille muse, Rose. Camille accuse Rodin de lui avoir volé des marbres. Elle fait des allers-retours entre tendresse et paranoïa. Il essaie de l'aider, de promouvoir ses créations et lui envoie mécènes et collectionneurs. Lorsque sa mère la fera interner en 1913, il ne fera rien pour la sortir de cet enfer. Il ne fera rien pour la protéger. Le destin de Camille est une tragédie. Son œuvre sacrifiée ne sera reconnue que bien plus tard. Parmi les commandes passées à Rodin, il en est une qui va changer sa destinée. Ce sera une épreuve et une expérience artistique unique. Mon cher Rodin, je suis heureux de vous annoncer d'une façon officielle que le comité de la Société des gens de lettres vous a choisi pour exécuter la statue de Balzac. Je vous serai personnellement reconnaissant si vous pouvez hâter votre travail le plus possible. Émile Zola, président de la Société des gens de lettres, s'est battu pour imposer le nom de Rodin. Le naturalisme dont l'écrivain est devenu le maître incontesté, avec sa série des Rougon-Macquart, rapproche les deux hommes. L'homme vit dans un milieu social qu'il a produit, qu'il modifie tous les jours et au sein duquel il éprouve à son tour une transformation continue. Le roman naturaliste est une conséquence de l'évolution scientifique du siècle. Les sciences humaines et sociales, initiées par le positivisme d'Auguste Comte, inventent et proposent de nouveaux outils d'observation et de compréhension du monde. Elles ouvrent une nouvelle voie de réflexion, notamment avec les récents écrits de Bergson et de Nietzsche. Art, littérature et sciences dialoguent. Un nouveau groupe est né, les intellectuels. Balzac est mort depuis plusieurs décennies. Aussi, pour mener une étude complète de l'homme, Rodin entame des recherches sur l'écrivain, son œuvre et son environnement. On lui indique un moulage de la main de Balzac. Il part aussitôt à Bruxelles. Avec cette main, je rebâtirai Balzac. Au cours de sa promenade et de son enquête dans le village natal de l'écrivain, Rodin discerna un type tourangeau, qui est le type Balzac. Il choisit ceux qui portaient le plus profondément cette empreinte et il modela leur masque avec l'étude respectueuse qu'il apporte à la reproduction de la nature. Créer un portrait, cela voulait dire pour Rodin chercher dans un visage donné l'éternité, ce morceau d'éternité qui lui faisait prendre part au grand cours des choses éternelles. Ce n'est pas ce qu'on appelle embellir, c'est plus que cela. C'est séparer le permanent de l'éphémère. J'ai consulté tous les portraits possibles de l'auteur de la comédie humaine. Après un laborieux examen, je me suis décidé à m'inspirer d'une plaque de daguerréotype de Balzac. Selon moi, c'est la seule effigie fidèle et vraiment ressemblante de l'illustre écrivain. Je tiens, je connais Balzac, comme si j'avais vécu des années avec lui. Balzac sera représenté debout, dans une attitude forte et simple, les jambes un peu écartées, les bras croisés. Il sera revêtu d'une sorte de longue robe de chambre sans ceinture, qui descend jusque sur les pieds. C'était la création même qui se servait de la forme de Balzac pour faire son apparition. C'était l'arrogance de la création, son orgueil, son délire et son ivresse. Les années passent et la Société des gens de lettres s'impatiente. Balzac attend et il ne faudrait pas que sa gloire souffrit trop longtemps encore du légitime souci que vous avez de la vôtre.
Cette œuvre se conçoit en Rodin comme une gestation monstrueuse. 1898. Au terme de 7 années de recherche, la présentation de son Balzac est imminente. Il est enfin dévoilé au salon. C'était Balzac dans la fécondité de son exubérance, l'inventeur de génération, le dispensateur de destin. C'est ainsi que Rodin avait vu Balzac dans un instant de prodigieuse concentration et d'exagération tragique. Et c'est ainsi qu'il le fit. Au salon, le Balzac est conspué. Monstre obèse, masse informe, colossal fœtus, quelque chose d'impur qui tient du porc et du phoque. L'abstraction du corps, la lourde tête, la posture, la simplification extrême des formes, rien ne va. Mais que cache ce manteau? Où sont les mains de Balzac? Sur son sexe? Balzac a contre lui les docteurs de la loi esthétique, l'immense majorité du public et la plus grande partie de la critique. Qu'importe, il se fera par force et persuasion une voie vers les esprits. La Société des gens de lettres se refuse à reconnaître la statue de Balzac. Rodin est humilié et ses longues années de travail ne lui seront pas payées. Son Balzac ne correspond pas à la conception classique et allégorique traditionnelle du monument, dont le Triomphe de la République de Jules Dalou est la parfaite illustration. Bien au contraire, le Balzac de Rodin pose la question du monument public, ce qu'il doit dire et montrer, ce qu'il doit être. Finalement, ce sera l'académique Balzac de Falguière que le comité retiendra. J'ai vu votre Balzac au salon, et bien que j'étais certain de voir une belle chose, mon attente a été dépassée. Je vous le dis bien sincèrement, vous pouvez laisser crier, jamais vous n'étiez allé plus loin. C'est absolument beau et grand, et je ne cesse d'y penser. Vous me rendez heureux avec votre appréciation sur le Balzac. Merci. Ses amis se mobilisent et lancent une souscription nationale. Étrangement, la plupart sont des Dreyfusards, et le glissement vers le terrain politique de cette affaire, au départ purement artistique, effraie Rodin. La crise sociale et politique a entraîné la France dans une violente dérive nationaliste et antisémite. L'affaire de ce capitaine Dreyfus, condamné pour trahison, divise le pays. Le véritable coupable est acquitté. C'est ce verdict scandaleux qui pousse Zola à lancer par voie de presse des accusations nominatives. J'accuse. Dreyfusard et anti-Dreyfusard n'en finissent pas de s'affronter. Rodin ne prend pas parti. Son engagement est et sera toujours pour son art. Il refuse le soutien financier de ses amis, rejette l'offre d'un collectionneur privé et décide de rester seul propriétaire du Balzac. Cette œuvre qu'on a pris soin de bafouer parce qu'on ne pouvait la détruire, c'est la résultante de toute ma vie, le pivot même de mon esthétique. Du jour où je l'eus conçue, je fus un autre homme. En tournant le dos au diktat des commandes officielles, Rodin s'émancipe de la tradition française qui voudrait qu'on juge le talent d'un artiste au nombre de ses monuments. Mon but n'a jamais été d'avoir des commandes, mais d'étudier. C'est ce qui explique la longueur dans l'exécution de certaines œuvres. Chaque morceau a été pour moi une occasion nouvelle de recherche, encore et toujours. Ce qui m'a guidé, c'est surtout ce grand amour de la nature. Oui, il faut l'aimer, être constamment avec elle. C'est la véritable grande muette, mais elle finit par vous parler, par vous inspirer et par vous livrer des secrets.
Depuis quelques années, il a fait l'acquisition de la Villa des Brillants, sur les hauteurs de Meudon, où il demeure avec Rose et leur fils. De jeunes sculpteurs qui viennent voir le Balzac ici et qui pensent à lui en redescendant les sentiers dans la direction où leur idéal les appelle. Les ateliers de Rodin emploient de nombreux praticiens. Des personnalités artistiques fortes comme Pompon, Bourdel et Mayol en sortiront. Ils vont lui garder une immense reconnaissance, tant dans leur cœur que dans leur future création. L'archer grec de Bourdel. Méditerranée de Mayol. Pour fêter le grand siècle de progrès qui s'achève et célébrer les prodiges des arts, des sciences, de l'industrie et de l'agriculture, la France invite toutes les nations à participer à l'exposition universelle qu'elle organise à Paris. Au pied de la Tour Eiffel, une multitude de pavillons s'élève. Les becs de gaz sont remisés. L'électricité éclaire désormais les rues la nuit. Le métro transporte ses premiers passagers. L'art nouveau est à la mode. Les bouches des stations sont signées Guimard. Capitale des avant-gardes, Paris attire et inspire les artistes du monde entier. Picasso s'y rend pour la première fois et s'y installe. Paris devient ville-lumière et est au fait de son rayonnement. La belle époque bat son plein. Rodin ne peut plus se satisfaire de quelques travaux présentés au salon. Il souhaite organiser une exposition indépendante en marge de l'exposition universelle. C'est un tournant décisif dans sa carrière. Pour réussir son entreprise, il mise son propre argent et s'associe avec trois banquiers. Il obtient non sans difficulté l'autorisation de bâtir son pavillon musée, place de l'Alma. Courbet et Manet avant lui ont déjà exposé dans un pavillon temporaire, mais le projet de Rodin s'annonce encore plus ambitieux. Il fait installer 168 sculptures, une centaine de dessins et des dizaines de photographies de ses œuvres. C'est à une rétrospective complète de son art qu'il convie le monde. La plus grande exposition jamais consacrée à un artiste vivant. Là où les visiteurs s'attendent à admirer bronze et marbre, Rodin choisit de n'exposer que ses plâtres. On trouvera sans doute ma prétention singulièrement orgueilleuse, mais j'ai la conviction qu'en montrant ma sculpture et comment j'entends la sculpture, je rendrai à la cause de l'art quelques services. Le blanc mat fascine et éblouit. Son audace s'avère payante, c'est un triomphe. J'ai vendu pour 200 000 francs. Tous les musées à peu près m'ont acheté. Les œuvres de Rodin vont faire le tour du monde. Düsseldorf, Buenos Aires, Montréal, Tokyo, Berlin, Prague, Munich. Il voyage. Il parade un peu ici et là en jouissant de cette gloire. À 60 ans, Rodin a atteint un objectif jamais atteint par un artiste. Pour promouvoir son art comme nul autre auparavant, il a le premier fait entrer la chambre photographique dans ses ateliers, comme un instrument de création parmi d'autres. Eugène Druet, employé au départ pour documenter le travail du sculpteur, se révèle un artiste à part entière. La vente de ses tirages pendant les expositions, ainsi que leur exploitation dans la presse, assurent à Rodin une visibilité inédite. Les photographes confirmés, Bulose, Coburn, Limet, sont également bienvenus à l'atelier. Eduard Steichen,
un des premiers photographes d'art et représentant du pictorialisme new-yorkais, est invité à Meudon. J'ai photographié et peint le Balzac de Rodin qu'il avait sorti en plein air et j'ai fait tout cela à la lumière de la lune, passant deux nuits entières du coucher au lever du soleil. C'était fabuleux. C'est le Christ marchant dans le désert. Vos photographies feront comprendre au monde mon Balzac. La photographie avait été mal accueillie par les peintres impressionnistes, qui craignaient la concurrence de cette technique nouvelle. Qu'en est-il du cinéma, inventé par les frères Lumière en 1895 ? Le cinéma pourrait être un outil merveilleux d'éducation, mais tout est à refaire pour l'instant. Je trouve le cinéma très beau, très intéressant. C'est un diminutif merveilleux de la vie de la rue, et je crois beaucoup à son développement esthétique. Rodin se laisse filmer par Sacha Guitry. Le cinéaste lui demande de tailler la pierre devant l'objectif, alors qu'il est le plus talentueux des modeleurs. Qu'importe, Rodin n'a plus rien à prouver, ni dans la vie, ni sur grand écran. 1905. Le poète autrichien Rainer Maria Rilke signale à Rodin l'hôtel Biron, où il vient d'emménager rue de Varennes. Des célébrités actuelles et futures se partagent ce bâtiment promis à la destruction. Le poète Jean Cocteau, le peintre Henri Matisse et la danseuse américaine Isadora Duncan. Rilke, qui s'apprête à publier « Lettres à un jeune poète », devient le secrétaire particulier de Rodin pendant quelques mois. Vous devriez, cher grand ami, voir ce beau bâtiment et la salle que j'habite depuis ce matin. Ces trois baies donnent prodigieusement sur un jardin abandonné où on voit de temps en temps les lapins naïfs sauter à travers les treillages, comme dans une ancienne tapisserie. Charmé par les lieux, Rodin loue quatre pièces du rez-de-chaussée et devient le plus notoire occupant de l'endroit. Il y reçoit de nombreux visiteurs et y abrite ses infidélités. Tout le monde veut son buste signé du maître, de la lady anglaise à l'homme politique français. Clémenceau repart déçu et fâché. Il ne comprend pas pourquoi Rodin lui a fait une tête de chinois. Rodin est-il seulement encore le sculpteur rempli de rêves? Ou est-il devenu un homme d'affaires éloigné de la fièvre de la création? Il fragmente, assemble, gomme le sujet pour mieux faire renaître la forme, livrant aux générations futures plus qu'une œuvre, un concept. Pendant longtemps, je n'ai pas osé réaliser toutes les idées que j'avais. Je craignais à chaque instant de provoquer un scandale. À présent, je suis dégagé de toute appréhension. Je n'ai plus qu'à suivre ma voie. Et toujours cette quête du mouvement. La serpentine de l'emblématique américaine Loy Fuller le fascine. L'après-midi d'un faune l'éblouit. Sensuel en diable, le danseur Nijinsky livre une chorégraphie résolument moderne sur une musique de Debussy, d'après un poème de Mallarmé. Rodin demande à l'étoile russe de poser nue. C'est en empruntant tout à la vie que j'ai sorti mes plus beaux morceaux. J'ai pour le nu un culte véritable.
J'ai l'habitude de laisser mes modèles errer sans vêtements dans mon atelier. Ils marchent ou se reposent. À les voir vivre nus autour de moi, je me suis familiarisé avec tous leurs mouvements. C'est quand ils quittent la pose qu'ils me révèlent le plus souvent leur beauté. Mes dessins sont la clé de mon œuvre. C'est toute ma vie. C'est dans l'extase, la volupté, l'érotisme et les débordements charnels qu'il représente la femme. Nul besoin pour Rodin d'attendre l'émergence de la psychanalyse pour s'affranchir des contraintes morales. L'histoire ne dit pas s'il a un jour croisé Freud de passage à Paris. Manet et Courbet, déjà avant lui, et Degas simultanément, célèbrent la liberté des corps. Klimt, Schiele, pourraient être ses disciples tant il y a de similitudes. Artiste polymorphe, lui seul met en volume ce que les dessins ne font que suggérer. Iris, messagère des dieux, expose sans pudeur et tout en volupté son sexe hurlant de vie et de vérité comme un ultime défi à tous ses détracteurs. Ses statues. Il passait la main sur elles et les caressait. Je me rappelle avoir pensé que sous ses doigts, le marbre semblait couler comme du plomb fondu. Il a pris une petite quantité de glaise et l'a pressée entre ses paumes. En faisant cela, il respirait fort. Il avait formé un sein de femme qui palpitait sous ses doigts. Il me regardait les paupières à demi baissées, les yeux étincelants. Et puis, avec l'expression qu'il avait devant ses œuvres, il s'est approché de moi. Il a passé les mains sur mon cou, ma poitrine. Il a caressé mon bras. Il a frôlé mes hanches, mes jambes nues, mes pieds. Il a commencé à pétrir mon corps comme de la glaise, tandis qu'il se dégageait de lui une chaleur qui me brûlait et me fondait. Je n'avais qu'un désir, lui abandonner tout mon être, et je l'aurais fait si par la faute de mon éducation absurde, je n'avais pris peur. Combien de fois j'ai regretté cette incompréhension enfantine qui m'a fait perdre la divine chance de livrer ma virginité au grand dieu Pan lui-même, au grand Rodin. Quand il sculptait, Rodin avait l'air d'un grand bouc, conducteur d'un troupeau d'esprits. Dieu Pan faisant frémir tous ses troupeaux de lignes. Il avait l'air, en travaillant, d'aspirer l'âme de l'argile ainsi qu'on conquiert un baiser. À 70 ans passés, la notoriété de Rodin impressionne la jeune génération, toujours éblouie par l'aura du vieux maître. Je montrais mes dessins à Rodin, qui me dit « Vous avez une main facile. Il faut vous en méfier. Il faut faire des dessins extrêmement travaillés, pignocher même avec le plus de détails possible. Et lorsque vous en aurez fait ainsi, montrez-les-moi. » Je partis plus déçu que flatté de chez Rodin, qui devait, je le pensais, m'apprendre quelque chose. Pourquoi garder ses distances avec la jeune génération, Picasso, Braque, Derain, Dufy et son ancien voisin Matisse? Comment ne pas vouloir se battre aux côtés de ceux qui sont rejetés comme il a pu l'être? Est-ce sa gloire tardive qu'il a peur de compromettre? Ou bien est-il trop occupé à la création de son propre musée à l'hôtel Biron? Rodin était seul avant de devenir célèbre. Et la célébrité, une fois venue, l'a peut-être rendu plus seul encore, car la célébrité n'est finalement que
que la somme de tous les malentendus qui se forment autour d'un nom. 17 novembre 1917, Auguste Rodin s'éteint, rejoignant Rose, disparue quelques mois avant lui, et qu'il venait d'épouser. Il ne verra pas l'inauguration du musée Rodin, mais peu lui importe, son éternité est assurée. Soyez profondément, farouchement véridique. N'hésitez jamais à exprimer ce que vous ressentez, même quand vous vous trouvez en opposition avec les idées reçues. Peut-être ne serez-vous pas compris tout d'abord, mais votre isolement sera de courte durée, car ce qui est profondément vrai pour un homme l'est pour tous.